bien avec tout le monde. Quand tout se passe bien avec. Et alors, quand ça se passe mal, c'est quoi pour vous? Ça s'appelle des galères. Ça s'appelle des galères. Tous les jours. Regarde la caméra. Le bon moral, et puis profiter du beau temps qui passe. Ben, le bonheur, c'est d'être en bonne santé, d'avoir une belle famille. C'est vrai que vous avez une très belle famille. C'est pour nous. Ah, vous le gardez rien que pour vous, vous voulez c'est pas le partager nous. Non, c'est pour nous, on partage pas. Si... Le bonheur, je pense que c'est réussir finalement à s'extraire du... Tout le conformisme, tout ce qu'on essaie de nous inculquer à l'école, enfin tout, et essayer d'aller explorer tous les sentiers qui ne sont pas battus finalement, et essayer de se construire à partir de ça, et de trouver vraiment ce qui nous rend heureux par nous-mêmes en fait. Souris à la vie, tu verras que la vie finira aussi par te sourire. Bisous. L'amour, premier mot. Premier, c'est l'amour. D'accord. Et c'est qui, quelqu'un qu'on aime pour vous? Devine. Le bonheur, c'est retrouver un vieux souvenir qui vous ramène à votre enfance. Par exemple, une petite figurine que vous avez reçue lorsque vous aviez 7-8 ans, un porte-clés, ou alors un magnet que vous avez acheté à Londres, de vieux livres, de vieilles bandes dessinées, de vieux albums photos, ou tout simplement un CD dont le boîtier est complètement pété. Peu importe, pourvu que cela soit lié à un bon souvenir, non? Toutes ces choses sont en quelque sorte nos petites madeleines de Proust. Elles nous renvoient vers de bons souvenirs que nous chérissons. Et ça fait du bien. Cependant, il nous arrive d'accumuler à outrance des objets insignifiants que nous refusons de lâcher, comme si on jetait un bout de nous-mêmes. Envisagez que vous pouvez vous en débarrasser. Pourtant, pendant des années, on n'y a plus pensé, on ne les regarde plus, on ne s'en rend pas toujours compte, mais jeter émotionnellement, c'est un acte symbolique. Apprendre à lâcher prise avec son passé, ne pas se focaliser sur ce qui est révolu, sur ce que nous ne pouvons pas changer. Mais jeter, mettre de l'ordre, et ce n'est pas que métaphorique, c'est aussi faire de la place pour du renouveau et à de nouvelles émotions. C'est ouvrir son esprit à de nouvelles expériences et à l'accueil de l'inattendu. Notre grenier est souvent le reflet de nos émotions. À réfléchir. À très bientôt.